Des milliers de postes, près de 20 000, sont à pourvoir en Corse en 2019, 5% de projets de plus que l'an passé. 3000 serveurs, 1500 employés d'hôtellerie, autant de cuisiniers. Ils figurent en tête des métiers les plus demandés, mais selon les employeurs interrogés par Pôle emploi, il est de plus en plus compliqué de recruter. On a quand même une certaine constance finalement dans les difficultés de recrutement qu'on peut considérer. Donc si on s'intéresse finalement aux principaux motifs, on est sur une pénurie de candidats. Des candidats qui sont présents mais qui n'ont pas forcément un profil adapté aux besoins des socioprofessionnels. Et ensuite, on a des conditions un peu plus intrinsèques, notamment par rapport à la nature du poste. On est sur un déficit d'image ou sur des postes qui ont finalement un certain nombre de contraintes associées, notamment en termes d'horaire, en termes de salaire, etc. Des difficultés persistantes et de plus en plus marquées. 55% aujourd'hui des recruteurs peinent à trouver un employé saisonnier. Pourtant, on note des changements. Il y a de plus en plus d'emplois dit durable, c'est-à-dire donc du CDI ou du CDD de plus de 6 mois, donc c'est une bonne tendance. Et du coup, sur l'activité dite saisonnière, on n'est pas sur un schéma de contrat saisonnier de 1 ou 2 mois, mais on est plutôt sur des contrats saisonniers de 6 ou 7 mois. On peut être saisonnier à vie, oui, modulo, bien entendu, la convention d'assurance chômage en vigueur. Cette année, c'est sur Bonifacio et Porto Vecchio que l'on projette le plus d'embauchés, avec une hausse spectaculaire de 26%. Ici, une entreprise sur deux va avoir besoin de renforts.